Good morning, allez, Idan et sur aujourd'hui le Lunishmat, Mori Rabbi Shmuel ben Shlomo Zalman Shlomo Miyamid ben Mazal, Rachel bat Sarah, et Shimon ben Kuka, ainsi que Nirfouat Sarah bat Betty Rivker, Feliselun ben Khamalia, Miriam bat Hasida, Edov ben Yudit Vetor Shachol Israël. Si vous souhaitez aussi d'aider une prochaine étude de Mishnah connectée à la communauté éternelle, nous étions à Sechet Choulin, Perek Zayin, Mishnah Bet. Choleach Adam, Yerech le Nochri, Shegid Hanashe Betocha. Mipene, Shemekomo, Nikar. Anotel Gidanashe, Tsarir, Sheitol, et Kulo, Rabbi Yehuda Omer, Kedelekayembo, Mitzvat, Netila. Je commence à traduire tout de suite. Choleach, Adam, un homme peut envoyer, Yerech, Lenochri, une cuisse de vache, d'accord, ou d'animal, quoi. Il envoie à la part, comme ça, tout le morceau de la cuisse, le flanc plutôt. L'énochri a un goy, chez Gidanaché Betocha, alors que le nerf sciatique, le Gidanaché, est encore à l'intérieur. C'est-à-dire, c'est simple, chez nous, les juifs, on a déjà, c'est qu'on est en train d'apprendre au chapitre, interdiction de manger le Gidanaché, le nerf sciatique, la Torah l'interdit, il faut le prendre, on va prendre après, avec plus de précision exactement, non, c'est déjà précisé en fait, dans la Gemara, je crois que dans la Mishnah, c'est pas précisé. Il y a deux nerfs en fait. Un qui est plus au fond et un qui est plus à l'intérieur. Celui qui est apnimi, chalayer, celui qui est plus au fond, proche de l'os, lui c'est un nerf interdit. C'est le nerf qui est interdit. C'est le nerf sciatique interdit par la Torah. Il y en a un qui est plus externe. Là, il est interdit que midera banan. D'accord. Maintenant, aujourd'hui, on dissèque, on ouvre, il y a une technique, il y a des techniques, on a une massorette, on a une transmission. Comment exactement retirer le guide de Naché pour qu'il reste plus rien. Ça, c'est de manière générale. Maintenant, donc, chez les juifs, en fait, à l'époque où les bouchers vendaient que de la viande fraîche, donc on n'avait pas de viande surgelée, eh bien, la viande des juifs, elle était présentée différemment que la viande vendue chez les goïms. Quand on achetait de la viande chez les goïms, on achetait une cuisse, on voyait que c'était une cuisse avec le guide d'un hachet à l'intérieur. Chez les juifs, quand on la prenait, on voyait qu'elle avait été coupée, puisque le boucher, parmi son devoir, était de disséquer de retirer ce nerf là, d'accord, le nerf sciatique avec en réalité les deux nerfs comme on a expliqué. Donc de ce fait, la Mishnah maintenant vient m'enseigner, sache que si tu veux envoyer une part de viande, un flanc d'animal, l'envoyer à un goy, on va pas craindre que peut-être qu'il y a un juif qui est en train de te voir et qu'ensuite il va partir racheter cette viande et donc manger le guidanaché. Pourquoi? Parce que le juif il va tout de suite voir que ce flanc n'a pas été coupé, la cuisse n'a pas été coupée, et pour retirer, pour faire ce qu'on appelle le nikour. En hébreu, on appelle ça être ménaker. Enlever les graisses interdites, enlever le guidanaché, on est ménaker, ça s'appelle, d'accord? Avec un kouf, nikour. C'est parmi ceux qui apprennent la shrita. Alors il y a, pour être majgir, kashrut, il y a plusieurs domaines par rapport à la viande. Il y a ceux qui vont égorger, il y a ceux qui vont vérifier qu'il n'y ait pas de tréfaute, il y a ceux qui vont plutôt se débrouiller à couper les graisses interdites et à faire justement le nikour. D'être ménaker, les graisses interdites, et de retirer le guidanaché, d'accord? Donc on ne va pas craindre, pour revenir maintenant sur le sujet, si j'envoie un flanc, un goy, où on n'a pas retiré le nerf, on ne va pas craindre que peut-être que un juif qui est en train de voir, il va se tromper, il va le manger sans retirer le nerf. D'accord? Pourquoi? Parce que le juif va tout de suite voir qu'il y a encore le nerf qui n'a pas encore tout coupé, la viande est encore bien ferme. Anotel Gidanaché, deuxième partie de la Mishnah. Anotel Gidanaché, Tsarir Sheitol et Kulo. Là, on va s'intéresser à savoir combien faut-il retirer du Gidanaché. Vous savez bien qu'un nerf, ça se ramifie en plusieurs petites ramifications. Il y a le grand nerf qui arrive, et puis ensuite ça va partir là, il va se ramifier en deux petits nerfs. Après, chaque petit nerf, il va se transformer en deux et en quatre, d'accord? Jusqu'à prendre. La question maintenant de la Mishnah est de savoir combien faut-il retirer du Gidanaché. Eh bien, la Mishnah m'enseigne, selon le premier avis qui est en réalité l'avis de Rabbi Meir dans la Gemara, Anotel Gidanaché, celui qui va retirer le Gidanaché, Tsarir Sheitol et Kulo, il faudra qu'il le retire entièrement. Il va partir jusqu'au bout, jusqu'à qu'il va voir que là encore, il y a le nerf qui s'est encore ramifié par là, il va partir là-bas pour pouvoir le retirer entièrement parce qu'il fait partie du Gidanaché. On expliquera ensuite exactement ce que c'est d'Oraita ou de Rabbanan. Et on continue ensuite. Rabbi Yehuda Omer, tandis que Rabbi Yehuda nous dit non, que dès les kayembo mitzvat netila, il suffit juste de retirer ce qui est à portée de main.
littéralement, c'est un peu dur. J'ai un peu peiné en fait à trouver ça. Je vais voir la Gemara. Ils n'ont pas expliqué tellement les mots. Littéralement, ça veut dire qu'aider les Kayem afin d'accomplir la mitzvah de Netila, la mitzvah de le prendre. En réalité, en fait, on parle qu'il ne faut pas partir le chercher trop profondément, ce n'est pas la peine. Tu prends ce qui se retire directement, tu retires bien sûr le gros nerf, et les premières ramifications qui se retirent à portée de main, comme ça, c'est ce qu'on appelle qu'aider les Kayem mitzvah de Netila. Et puis ensuite, tu ne dois pas te soucier de partir retirer les petites ramifications. Ils expliquent à Mefarshim, ça sort comme ça de la Gemara apparemment, que Minatora, il suffit de faire comme Rabbi Yehuda le prescrit, de retirer le guide d'Anaché, et les gros nerfs qui se ramifient, qui sortent de ce nerf. Mais il n'y a pas besoin de partir chercher dans les moindres petits détails, les petits bouts. Ça, c'est que Midera Banan, d'après Rabbi Meir, je pense que c'est comme Rabbi Yehuda, de ce côté-là, par rapport à la Torah. Seulement, il pense que les Chachamim ont imposé, malgré tout, de retirer jusqu'au bout le nerf, le guide d'Anaché. C'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine d'Atzlacha Kol Tov, Salah.